Hello les amis, voilà un nouveau format. Je vais répondre à vos questions. Les amis, bonjour. Est-ce que les gens qui regardent des vidéos de YouTube sont-ils débiles? Je me pose vraiment la question. Voilà, première question. As-tu déjà connu la peur avant un combat de rue? Alors, ma réponse, bien sûr que non. Je suis invincible parce que je fais du Krav Maga et je n'ai jamais eu peur. Mais non, évidemment, la réponse est tout à fait l'inverse. Bien sûr que j'ai déjà connu la peur. Alors, on parle ici d'un combat de rue. Pour l'anecdote, lorsque j'étais plus jeune et que j'ai fait de la compétition en karaté, je me souviens de combats où je regardais le mec en face et alors, évidemment, je savais qu'il fallait y aller. Donc, il était hors de question pour moi de reculer. Je regardais le gars dans les yeux, les mains baissées, vraiment focusé, et je sentais les jambes qui tremblaient dans mon kimono, quoi. Donc, oui, j'avais peur. Oui, j'avais peur. Et concernant maintenant les combats de rue, sans faire l'étalage des différentes confrontations que j'ai pu avoir, bien sûr que j'ai peur, bien sûr. Et je dois avouer que j'ai peur de deux choses. Et la chose qui aujourd'hui me fait le plus peur, alors évidemment, ça change avec le temps. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur de me faire cartonner. Je me souviens d'un truc, là j'étais 15-16 ans, j'étais assez jeune. Donc je vous parle d'un truc d'il y a 35 ans. Hein. Et il y a un gars qui avait une vingtaine d'années, donc t'as 15 ans, le gars a 20 ans, ça fait une grosse différence. Et il voulait absolument me casser la figure parce que je ressemblais à un arabe. Hein. Donc pour lui, j'étais un bougnoule. Selon ces termes, j'avais à l'époque les cheveux un peu frisés, j'avais une tête comme ça, j'avais beaucoup de cheveux, comme quoi c'est pas toujours un signe, hein, tu vois. J'avais beaucoup de cheveux et je me souviens que le gars m'a cherché, m'a cherché, m'a cherché jusqu'au moment où il m'a frappé, quoi. Il m'a frappé et le gars très courageux m'a donné un coup de pied. Il voulait viser mes couilles, quoi. Et donc coup de pied dans les couilles. Et donc, à l'époque, je faisais déjà du karaté. Oui, j'avais peut-être 14-15 ans, finalement. Parce que 16 ans, j'ai commencé, 15 ans et demi, j'ai commencé la compète. Donc, c'était avant. Donc, j'avais peut-être 14-15 ans. Il me donne un premier coup génital. Je bloque avec un Gedan Barai. Hein, donc, en karaté, on bloque vraiment avec l'avant-bras sur le tibia. Ça picote un petit peu. Une fois, deux fois. Bon, il sait pas se battre, le gars. Il est plus grand, plus costaud. Mais il sait pas se battre. Chance pour moi. Et jusqu'au moment où je me dis, ben, un peu comme un couillon, je me dis, je vais frapper avec mon poing. Je voyais le truc arriver, je frappais. Et en frappant, je me suis cassé l'os ici. Je me suis, sur le coup, je ne me suis pas senti que c'était cassé. J'ai eu super mal à la main. Et donc, je me dis, là, il va vraiment me terminer, le copain. Donc, j'ai vraiment super peur. Mais j'avais tellement mal et je râlais tellement de l'injustice que finalement, je l'ai poussé, poussé, poussé. Il y avait une camionnette derrière lui. J'ai tapé sa tête dans le pare-brise de la camionnette. Chance pour moi, il ne s'est pas cassé. Et lorsqu'il est tombé au sol, je l'ai terminé avec un kick à la gueule. Bon, ça, c'est les bonnes manières. On les garde. Mais j'avais évidemment très peur. J'avais évidemment très peur. Et plus tard, je vous raconterai ça peut-être une autre fois, quand j'avais déjà 18-19 ans, je me suis vraiment fait cartonner la gueule. Là, c'était vraiment quelque chose de très grave. Et là, j'ai eu vraiment très peur également. Donc oui, j'ai déjà eu peur. Aujourd'hui, lorsque j'ai une confrontation, c'est beaucoup plus rare. Hein. Je pense que sur les 3 dernières années, j'ai eu peut-être 3 fois des discussions et toujours le même type de discussion. C'est avec les bagnoles, le gars qui sort, qui fait le malin ou des trucs du style. Je dois avouer que maintenant, tout d'abord, hormis le fait que je pratique les arts martiaux, machin et tout, hein, ça vous le savez, donc voilà. Mais des coups, j'en ai reçu. Des coups, j'en ai reçu. Des blessures, pas seulement des blessures au niveau du... mais des blessures graves, j'en ai eu également.
Donc, ça ne me fait... Enfin, c'est un peu fou ce que je vais dire là, mais ce n'est pas ça qui me fait vraiment peur. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que j'ai plus tellement peur d'être cartonné, mais je me dis, voilà, je me suis construit une vie, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir cette vie. Ce serait bête de donner un coup à quelqu'un qui tombe mal et que toute cette vie s'arrête pour le coup que j'ai donné. Voilà, c'est ça qui me fait peur le plus aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Deuxième question aujourd'hui, les gars. Je conseille pour ma part de pratiquer le tir, le couteau en parallèle d'une pratique de self-défense pour connaître les outils contre lesquels on se défend. Trouves-tu ça normal? Point d'interrogation. Car bien souvent, on me dit que c'est inutile, voire dangereux. Je pense que c'est une méconnaissance qui leur font penser ça. Alors oui, oui, oui et oui, je conseille de faire cela. Il est idiot de ne pas savoir manier le couteau, le bâton, de ne pas savoir tirer, de ne pas savoir, de ne pas avoir eu ses outils dans les mains, etc. C'est idiot. Parce que, bien sûr, la majorité des gens, j'ai envie de dire 99,99% des gens, ne sera jamais confronté à un pistolet. Donc voilà. Maintenant, si toi, tu te revendiques instructeur, expert ou pratiquant avancé ou gradé de self-défense, ça fait partie de ton cursus. Donc, si tu arrives à un haut niveau et que tu n'as jamais travaillé avec couteau, comment planter, où aller, etc., même si tu n'es pas un spécialiste, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je sais quand même travailler avec un couteau, je sais travailler avec un bâton. Un pistolet, il y a des vidéos, il faut chercher, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne ou une autre, mais où tu me vois les yeux bandés, je monte et je démonte une arme. Enfin, je démonte et je remonte une arme, excuse-moi. Tu dois savoir le faire. Tu dois savoir le faire. D'ailleurs, chez moi, le pistolet, c'est G5, donc c'est juste à mon expert. Tu ne passes pas G5 si je n'ai pas la preuve que tu as déjà tiré. Donc, si tu n'as jamais tiré avec un vrai pistolet, tu ne deviendras pas G5. Enfin, tu ne peux même pas participer à l'examen. Donc oui, c'est une bonne idée. Il faut bien se rendre compte que ces outils font partie intégrante de la self-défense. C'est une partie intégrante. Si en self-défense, la règle est, si tu as moyen pour te défendre d'utiliser une arme, fais-le. Fais-le, évidemment. C'est à ça que ça sert. Sinon, on n'utilise jamais d'arme. Voilà, j'espère que je t'ai répondu. C'était la seconde question. Voilà. Troisième question, allez-vous faire le programme G1, G5 en vidéo? Alors, on est, je vais pas dire en conflit, mais Gabi et moi, on n'a pas la même idée là-dessus. L'idée est la suivante, Gabi voudrait le faire, moi, je ne veux pas le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Notre spécificité à l'IKN, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre notre fédération et les vidéos que vous voyez sur YouTube, ben c'est le cahier technique. Sur YouTube, tu vois des gens... Bon, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, mais je vais me disputer avec tous les gens qui font du Krav Maga, mais peu importe. Le bâton vient vers le haut, donc le blocage est évidemment comme ceci. Et le gars, il est là, au lieu d'aller avec le poing au niveau du visage, bon, il vient chercher sur le côté. C'est une erreur basique. Une erreur basique, c'est une erreur. C'est une erreur. Le gars vient avec son visage. Si là, t'es pas capable de le choper, si quelqu'un vient et que t'es pas capable de l'attraper avec ton poing, copain, mets-toi, couche-toi par terre, relève les jambes. Donc, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Je suis contre. Gabi le veut. Le vrai patron, c'est lui, c'est pas moi. Mais on verra, mais pour l'instant, je ne pense pas que ça va se faire. Voilà. Quatrième question. Perso, j'aimerais savoir la technique pour rester calme face aux multitudes d'énergumènes que tu peux rencontrer dans la vie. En gros, ce que je veux savoir, c'est comment tu fais pour laisser tes compétences de combattant en stand-by lorsque tu es en situation où tu es face à quelqu'un qui mérite amplement que tu le secoues, mais tu t'abstiens de la confrontation. Et puis, si je te demande ça, c'est que tu es forcément quelqu'un qui vit avec le frein à main, sinon tu serais, il y a beaucoup de photographes, sinon tu serais pas là à nous faire profiter de tes connaissances et bonne expérience, mais plutôt en prison pour homicide. C'est vrai ça. Bien, à bientôt champion, à bien à toi champion. Écoutez, la vérité, elle est un peu différente. La vérité, elle est un peu différente, c'est que tu ne vis pas beaucoup avec le frein à main. Je vais t'expliquer pourquoi.
Si tu es un berger allemand qui se promène dans la rue et que des caniches aboient, ça t'ennuie pas beaucoup. C'est-à-dire que, et ça j'ai déjà eu aussi évidemment, des gens qui voulaient ou qui voulaient faire le malin et qui clairement, bah, avec tout le respect, je sais que ces gens peuvent être dangereux. Moi je fais aujourd'hui 120 kilos. Le gars, il sort de la bagnole, il fait à peu près ma taille, il en fait 65 quand il sort de la douche. Bon, j'ai pas très peur. Donc, déjà, le fait de ne pas avoir peur, ça ne veut pas dire que le gars ne peut pas gagner. Hein. Peut-être que le gars est super fort, peut-être que le gars est armé, etc. Bien sûr. Hein. Mais, bon, je sens ou je ressens si le danger est imminent ou pas. Et donc, je pense percevoir assez clairement quand le gars veut faire le malin ou quand le gars est vraiment dangereux. Et d'ailleurs, le gars qui est vraiment dangereux ne fera pas le malin, justement. Donc, ici, moi, je suis dans une situation où la majorité du temps, quand j'ai des problèmes, ce qui est assez rare, mais la majorité du temps, c'est des kékés. Et donc, le frein à main, il est simplement là parce que je me dis, Harry, qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas aller donner une claque à quelqu'un qui, voilà, je vais pas, voilà. Et puis t'as d'autres gars où tu te dis, non, là, la confrontation peut être réelle et peut être dangereuse. Enfin là où je veux dire, il y a vraiment une confrontation possible, probable. Et là, comme je le disais un peu avant dans la vidéo, c'est de dire, il faut quand même réfléchir, quelles sont les conséquences de ce que je vais faire. Donc je dis pas, encore une fois, moi je dis pas qu'il faut jamais se battre, je dis pas qu'il faut jamais utiliser ce que tu connais, je dis qu'il faut le faire à bon escient. Si le gars t'a empoigné et tu sens que le coup de tête ou le coup de poing va arriver, évidemment tu vas le cogner, hein, évidemment, hein, faut pas être bête, quoi. Hein. Si le gars, tu vois qu'il est super vénère en face de toi et qu'à un moment il met sa main dans sa poche, je suis désolé, hein, même si c'était pour prendre son mouchoir, ce sera trop tard. Donc là, c'est pas le genre de truc qu'il faut faire quand il y a une grande tension. Mais moi, je me dis, écoute, et j'encourage, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le coup de poing. Je vous encourage à ceux qui ne comprennent pas ce que je vais dire à essayer. Vous prenez un adolescent dans votre famille, qui a 10 ans, 12 ans, 14 ans, un petit quête, quoi. Vous lui dites, voilà, tu mets ta main comme ça, tu viens de là, tu fermes tes yeux et tu y vas à fond comme ça. Tu lui dis bien de fermer les yeux. Il a confiance. Et quand il l'a fait deux, trois fois, tu mets un peu ta tête pour voir ce que ça fait. Une gifle dans l'enfant pour voir ce que ça fait, simplement. Alors tu t'imagines ensuite quelqu'un qui s'est vraiment frappé, qu'est-ce que ça va faire? L'exemple que je donnais, je ne sais plus à qui, c'est les filles qui, dans le circuit ATP, les filles qui tapent la balle de tennis, elles envoient des services à 200 à l'heure. Si moi je devais le faire, même si je suis plus costaud, je pense que j'atteindrais même pas les 100 à l'heure. Quelqu'un qui a la technique et l'entraînement, ben c'est dévastateur. Donc, encore une fois, je vis avec le frein à main parce que, comme tu le dis, et tu as tout à fait raison, moi, j'ai pas envie de me retrouver en prison parce que je me suis disputé pour une place de parking, quoi. C'est simplement débile. Voilà. J'ai pris quatre questions, j'y ai répondu. Il y a quelques questions, d'autres questions, et j'ai répondu directement en disant, voilà, cette question, j'y réponds pas parce que tu vas m'obliger à te donner mon avis qui est peut-être pas positif sur quelqu'un, donc je préfère pas le faire. Donc si moi je parle de gens, c'est pour dire des belles choses. Sinon, je n'en parle pas. Donc voilà, je vais essayer de répondre à vos questions. Je vais faire quelques capsules comme ça et on va voir où ça nous mène. Ça va? Bye bye!